Ça fait une musique bien délicate pour un Pokémon, hein, ça. C'est vrai que ça change un peu. Bref, salut à tous, bonjour à toutes, c'est Jojo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel let's play. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, j'ai fait un gros fuck à mon PC. Oui, ça commence bien cette vidéo. Parce qu'il m'a supprimé la vidéo de DuckTales pour je ne sais quelle raison. Donc je dois tout recommencer. C'est déjà arrivé une fois avec Indamer, ça m'énerve légèrement. Aussi, j'ai envie de me poser avec 2 let's play sur la chaîne. Donc vous aurez une vidéo par semaine. Donc ça, une semaine sur 2, vous aurez un jeu différent. Et pour cette semaine, pour le premier let's play, ce sera Pokémon version Éclat pourpre, qui est un hack de Pokémon en français, s'il vous plaît, si c'est pas la joie. Et vu que c'est un hack, j'ai pas envie de faire un Pokémon normal, j'ai envie de faire un hack avec une histoire différente, des trucs différents. Celui-là est arrivé et donc je l'ai pris. Et en parallèle de cela, vous aurez un autre let's play, mais on en reparlera quand il arrivera la semaine prochaine. Bon, je vais sauter tout ça. Alors, Myst et Mickey, je ne sais pas du tout qui sont ces types, mais merci d'avoir fait un hack en français, vous êtes vraiment gentils. Donc, cartouche entomagée. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est mes cartouches entomagées, mais je peux tout simplement faire des safe dates et ça c'est cool. Alors, on connaît déjà les touches. Bienvenue dans le monde... Bienvenue dans le jeu Pokémon Éclat pourpre. Ce jeu a été réalisé par Myst et Mickey, merci les gars, en 2015. Donc d'ailleurs je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Vous allez vivre une aventure inédite dans un jeu entièrement remanié, si j'arrive à lire c'est cool. Une toute nouvelle région ainsi que des Pokémon, de nombreux dresseurs, je vais y arriver, vous attendent, et ça c'est cool. Vous retrouverez également certains personnages emblématiques de la série rencontrés dans les jeux, dans les précédents opus. Okay. Alors appuyez sur le bouton A et débutez le jeu. D'accord. Donc c'est tout nouveau, hein, donc. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Nathalie Redoute. Je vais dire Redoute parce que c'est cool. Si vous comprenez ce que je veux dire. Votre journaliste sur, Channel 6. Ceci est un flash à faux de la plus haute importance à propos de la récente vague de crimes à la Casa. Grâce à notre Pokémon, nous avons pu infiltrer dans un rempart désormais abandonné. Et nous avons pu récolter des informations sur ces terribles vols de Pokémon. Donc de ce que j'ai vu, l'histoire est un peu plus mature que dans les jeux originaux. J'attends de voir ça. Déjà oui, ça parle de crime donc, et de vol, donc je veux dire, voilà. Nous n'avons cependant aucune certitude quant à l'objectif de ces criminels. Nous interviewons actuellement un jeune dresseur de Pokémon qui a obtenu un Pokémon pour se protéger en accord avec la nouvelle mesure d'autodéfense. Il est très classe. Ce personnage est très classe. Ce dresseur, originaire de Bourg-Rivière, se nomme... Alors... On fait de la plus simple possible. Jojo. Hop. Oui, c'est moi. Le rival est très classe aussi, dis donc. Certains dresseurs, quant à eux, ont déjà croisé et vaincu certains... de ces individus nuisibles. Nous avons ici un jeune dresseur ayant déjà vaincu ces individus une fois. Il se nomme... Il y avait Maël dans le lot, mais voilà, j'ai... On va faire... Aussi en bonne et due forme... Cuba. Voilà. Notre rival s'appellera Cuba. Bonjour Cuba, à toi d'ailleurs. Je conseille à tous les dresseurs de rester sur leur garde. Ces voleurs sont nombreux, mais individuellement... ils ne sont pas très forts. Merci de faire un clin d'œil aux anciens jeux. Enfin, pour ma part, c'est ce que je comprends. Même en renfort, mais ouais, je me comprends. Ceci conclut notre émission. À vous les studios. Hop. Avant de commencer à jouer, veuillez régler vos paramètres. Alors là, on va être d'accord. 3. Animation combat, oui. Style combat, choix. Mono c'est très bien. Aide. Mode bouton, elle est On va laisser comme ça. Fenêtre. Oh, trop bien. Alors, je vais passer quelques temps dessus. Mais bon, on va prendre celle-là parce qu'elle est cool. Alors... c'est cool de pouvoir jouer à un nouveau Pokémon. En plus, je me suis mis à Pokémon Ruby Omega, qui est un jeu excellent. 80 heures de jeu, je pense que ça va. Hein. Vous êtes dans votre chambre et en train de contempler la Pokéball de votre Pokémon récemment acquis, que le professeur de Bourg-Rivière vous a donné. Votre choix s'est porté sur le type feu. Non. Votre choix s'est porté sur le type eau. Oui. Avez-vous choisi Carbus? Non. Kaminus? Non. Gobou? Non. Oh non, il n'y a pas Moustillon. Ah, nul. Oh non, nul. Donc attendez, il y a Bulbizarre, il y a Germignon et il y a Arco. Donc sinon il y a Salamèche, il y a Hérissandre et Poussifeu. Ah, je sais pas qui choisir pour le coup. Bah vous savez quoi? Hop, on va prendre Kaminus. Parce que j'aime bien ce Pokémon. J'ai hésité avec Gobou, mais je prends Kaminus. Ah, à l'aide! Fichez le camp, sale voyou! Alors, Pokémon et Pokédex. Alors, voyons voir le menu Pokémon. Ok, ça marche comme ça. Comme dans Rouge Feu. Et le Pokédex. AES. Mode numérique régional. Je comprends pas vraiment le Pokédex là. Ah d'accord, en gros on a le Pokédex national dès le début. Ah oui, c'est à moitié direct. Et... D'accord. Alors... Eh ben c'est parti, allons aider notre maman. Va-t'en la mouche. Bonjour. Oh, la Team Rocket. Ferme-la, bon sang, espèce de morue. Ah oui, c'est direct. Ah oui. Ah oui, c'est direct. Et toi là-bas, dépêche-toi d'embarquer ce Pokémon. Le boss a besoin d'un grand nombre de... Bordel, ce quoi c'est là? On chope ce Pokémon en vitesse et on se tire. Oh la vache! Oh j'adore déjà. C'est bon, j'ai la bestiole, on s'arrache. Oh j'adore. Oh j'adore déjà. Maman, ça va? Oh, oh trop bien. Oh trop bien, notre personnage y parle. Oh les mecs, je vous aime. Oh c'est trop bien. Qui étaient ces types? Mon chéri, c'est bon rien. Oh. Pris le Pokémon de ton père. C'est tout ce qui me reste de lui. Ah, ah la vache. Oh, ah, ah oui. Ah bah oui, pour être mature. Alors là, ah ils ont fait vraiment du bon boulot les mecs. T'en fais pas, je vais rattraper ces ordures. Et je récupérerai le Pokémon de papa. Je te le promets. Oh non. Oh classe. Bonjour Rocarnage. Sans vous ignorer, il vaut mieux le laisser tranquille. Oh c'est trop bien. Oh c'est... Oh, on peut courir en plus. Mais c'est trop bien. Oh j'adore déjà ce jeu. Salut tout le monde, je suis... Pourquoi salut tout le monde? Allez c'est parti. On va renommer Kaminus. Allez, comment je dois renommer mon petit Kaminus? Allez, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est parti. Je vais te renommer Sora. Enfin, maintenant Sora. C'est mieux qu'avant, tu as de la chance. Bonjour, je m'ennuie tellement, j'ai pas de copain pour jouer ici. Si seulement j'avais un Pokémon. Bah, y a un magnifique Roucarnage qui vole. Graphiquement, c'est beau. N'empêche, c'est très beau. Les Pokémon sont vraiment bien foutus. Oh tiens, bonjour. Tu sais, à mon âge, on ne fait que regarder les photos à leur profit de ta jeunesse. Oh, c'est bien. Oh, c'est trop bien. Oh, par contre, le son bug. Ça m'énerve un peu. Labo du professeur. Bah, allons-y. Il nous a donné un Pokémon. Allons le remercier. Ouais, mais c'est le professeur... C'est le professeur Pokémon. Ou le professeur... je sais plus comment il s'appelle, mais bon. Jojo, je suis désolé pour ce qui est arrivé... à cause de ces bandits de la Team Rocket. Je ne peux pas faire grand chose pour leur mettre la main dessus. Mais je peux au moins soigner tes Pokémon si tu veux. Bah à vrai dire ça sert à rien vu que j'ai pas encore fait de combat. Bah c'est parti, écoutez. En avant, allons rattraper la Team Rocket. Bon bah... elle a l'air pressée, je suis sûr qu'elles ont fait le mauvais coup, mais je n'ai pas la force de courir après. Ouais, moi c'est... Ah. Mon mari, le professeur Philao, passe ses journées dans son labo, si bien qu'il n'a plus besoin de partir explorer la région. Sa carte lui est donc devenue inutile. Bah, je peux pas la récupérer? Tu veux pas me la donner? Si tu dois partir à l'aventure, prends cette carte, elle te sera peut-être utile. Ce n'est pas grand-chose, mais je souhaite t'aider si tu vas explorer tout seul. Ah, quand même. Hop, et bien écoutez, on va aller voir la carte pour voir à quoi ressemble la région. Je rappelle qu'on est dans une région totalement nouvelle. Hop, une carte. Voyons voir. Ah ouais, c'est pas très grand. Ça va, ça fera un petit let's play. On se... Ok, j'aime mon bouton B ne marchait plus, c'était épique. Bon. On est à 11 minutes de vidéo, ça va. C'est très bien. Allons-y. J'ai mes écouteurs qui tombent. Ah, bonjour. Oula. Ah oui, d'accord, je comprenais pas pourquoi. Tiens, toi, t'aurais pas vu deux types louches habillés en noir? Bah si, on les poursuit. Dans le coin. Ça fait un petit moment que je les suis. Mais je les ai perdus de vue récemment. Pourquoi tu veux... Ah oui. Pourquoi tu veux savoir ça, toi? T'es avec eux? Calme-toi, regarde-moi bien, je ne porte pas leur uniforme. Pense plus rationnellement, c'est pas faux. Si j'étais avec eux, je ne demanderais sûrement pas à un inconnu où sont ses complices, c'est vrai. Je suis pressé, j'ai pas le temps de contempler tes fringues. Oh, mais c'est violent. Même notre personnage, il est violent, quoi. Bon, admettons que je te crois, tu leur veux quoi? Avant de répondre, permets-moi de me présenter. Cette agitation m'aurait presque fait oublier les usages de courtoisie. Je peux pas être ce personnage à la place de mien. Non, je déconne. Je m'appelle Myst, et je traque ces sbires depuis un bon moment, comme je te l'ai dit. Il s'agit en fait des membres d'une organisation criminelle, la Team Rocket. Récemment, ils se sont mis à être très actifs dans la région, et ils se sont mis à voler des Pokémon de toutes les races. J'ignore encore pourquoi, mais je suis sur le point de le découvrir. T'es bon, je veux bien te croire, pour le coup. Je m'appelle Jojo. Mais pourquoi tu les cherches? Tu n'as pas l'air d'être un policier. Ou autre. Une histoire personnelle plutôt, oui. Eh bien, on va dire que j'essaie de les empêcher de nuire. Considère-moi comme un G-Men. Un G-Men Pokémon, ok. À l'instar de Pépiteur, le célèbre dracologue. Je vais y arriver. Mais toi, tu sembles avoir une rancœur profonde envers eux. Quelque chose de personnel? Puis-je savoir d'où cela provient? Ces mecs ont volé le Pokémon que mon père avait laissé, un Ménodelphe, et j'ai la ferme intention de le retrouver, coûte que coûte. Je vois, mais je vais continuer mon enquête, avec un peu de chance, je pourrais sans doute te venir en aide. Mais ne te fais pas d'illusions, les chances de retrouver ton Pokémon sont minces. Je ferai néanmoins mon possible. Je suis Jojo, je suis pas n'importe qui. Tu m'as l'air d'un jeune homme intéressant et déterminé, on reste en contact. Ah, à mon avis, on va avoir le Pokénave ou un truc comme ça pour rester en contact. Alors, magnifique. Il y a un Ratata. Est-ce que je peux aller le capturer? Ok. Alors, attendez. J'aime beaucoup les décors. La musique, j'aime bien aussi. Par contre, la musique... J'ai le son qui bug. Ça m'énerve. Ah, on va monter un... On va faire quelques petits combats quand même pour monter notre Pokémon d'un niveau. Hop. On va accélérer un petit peu, hein, sinon ça va être un peu long. Ah bah non, mais si on a un Pokémon à chaque pas, ça va pas aller. Bon, on va passer un petit peu, parce que sinon ça va être un peu long. La la la. Hop. Charge. Tu es trop... Ah oui, il m'a fait mal, dis donc. Level up. Peut-être l'attaque pistolet haut. Ah non. Tu bouches un petit peu le chemin, non? Il y a un pêcheur là-bas, il m'a donné une canne. Tu devrais aller lui parler. Eh mais... on va pas être d'accord là, les gens. Bon, moi c'est bien, ça me permet de voir quel Pokémon se trouve ici si je veux en capturer, mais bon... je perds beaucoup de vie, dis donc. Tu bouches le chemin, mec. Bon bah, je suppose qu'il faut pas que j'aille là. va aller voir le professeur. Parce que disons que j'ai perdu un peu beaucoup de vie. Allez. Soigne-moi mes Pokémon. Je vais bien. Hop, hop. Voilà. Voilà. Alors. Faut peut-être que j'aille voir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il va pas voir ma maman? Non? Je l'aurais peut-être pensé vu qu'il les suit, donc vu que notre personnage. Enfin, vu que. A été les voir. Bah non. Bah c'était bien par là qu'il faut que j'aille. À moins que lui. Ah, ça m'énerve que le son bug. Et je peux pas régler en plus. Je peux pas régler ça. Enfin, normalement, je peux pas régler ça. Je fais comment pour passer là? Est-ce que je peux passer entre là? Mais non! Pépite. Mais je peux pas passer! Je peux pas passer! C'est épique! Ah, mais ça commence bien ce jeu! Yeta! Hop! Hop. Donc là je fais juste je fais quelques combats hein, juste pour monter mon Pokémon de niveau hein. Ah, frénésie. Ok, il a combat pistolet là-haut lui. Ah d'accord. J'avais pas vu qu'il y avait un chemin. Hop. Dresseur, c'est parti. Et tu veux aller aux pépites? Pas sans avoir fait un combat contre moi. Ah, le même musique de combat que Rouge Feu. Bon, très bien. Bon, ça me va. C'est parti. Alors je vais pas sauter, je vais pas comment accélérer les combats contre dresseurs. Hein. Autant faire ça dans la norme. Il y a vraiment que les combats contre les Pokémon sauvages que j'irai vite. Hein. Je ferai même peut-être des petites coupures si vraiment c'est long. Hein. Voilà. Je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Alors. « 34 points d'expérience. » Un Nidoran. Peut-être que j'utilise frénésie, ce serait peut-être bien. Je l'ai gagné, c'est pas pour rien. Ah non. Oh mais non. On va pas être d'accord là. Ah, on va pas être d'accord du tout même. Ah mais non. Je suis pas d'accord. Mais non. Non. Ah mais non, je ne suis pas d'accord. J'ai pas d'objet. Ah mais non. Mais non. Non. Mais non. Eh mais non. Je vais pas commencer comme ça. Et s'il vous plaît, je perds contre... J'ai perdu contre le premier personnage du jeu. Non mais, non mais... J'avais des Pokémon pendant que tu te reposais dans ta chambre. Je ne saurais pas quoi faire si jamais il t'arrivait quelque chose. Mais non, mais là... Mais non. Pire joueur de Pokémon de tous les temps. Non, 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 on est sérieux. On va dire que c'est la... C'est le syndrome du filmeur, voilà. C'est le syndrome du filmeur, tout simplement. Alors, alors là, je ne suis pas d'accord. Hop, on fait fuite. Je ne suis pas d'accord. Je veux ma revanche. Voilà. Voilà. Donc là, c'est l'air juste pour démarrer le combat. C'est parti. Je ne suis pas d'accord. Hop. Voilà. Peut-être un level up, c'est possible. Ah, pas level up. C'est pas de chance. Hop. Mais quoi? Oh non. Ah, j'aime pas ces compétences. Eh, mais j'ai pas de bol. Hein. J'ai pas de bol, dis donc. Bah vas-y. Rajoute-en, Nidoran, hein. Je vais rien te dire. mais... Ah non, on va pas être d'accord là. Certes, je... Montage de niveau. Eh mais je vais pas être d'accord parce que je vais perdre de la vie là. Ah non ça va, ah si. Si, je perds de la vie. Mais non. Eh mais j'ai aucun moyen de gagner ma vie en plus. Mais non. C'est pas possible. Oh mais c'est pas vrai. Eh mais non, mais ça, on va pas fonctionner comme ça hein. Mais d'habitude je suis pas aussi nul quand je joue à Pokémon quoi. Hop. Ok, de toute façon je suis obligé de monter, donc j'étais en train de demander s'il y avait un autre passage, mais je suis obligé de monter. Alors, notre dresseur. Bah on ne saura jamais. Alors, Sora. En avant. Je fais encore quelques combats, hein, histoire de gagner quelques niveaux. Hein. Non mais je perds mes écouteurs. Qu'est-ce que c'est que cette malchance? Voilà. Ah. Oh, un Zigzaton. Je vais chercher le nom. Je me demandais quand est-ce que t'allais apparaître toi les Zigzatons. Par contre le Zigzaton qui a plus de vitesse que moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Mais non, mais... Alors, ouais, on va monter de niveau, donc je veux bien t'éliminer. Mais je perds beaucoup de vie. Et j'ai pas de potion. On peut pas avoir de potion dans ce jeu. C'est parti. Niveau 9. Donc là, je peux t'arrêter les combats... sauvages. Dis donc, c'était pas la musique de la Team Rocket. Un gamin, c'est parti. Le gamin Ben. Le BN. C'était nul. C'est parti. Oh, bim. Bim, couché. Hop. Et un Zigzaton. Alors, si t'as plus de vitesse que moi, je vais pas aimer. Renésis. Donc si j'ai bien compris, la frénésie, voilà, augmente. Et on va continuer parce qu'on aime ça. Ah oui. Oui, quand on augmente, il... Ah non. Mais non. Non, je ne vais pas t'aimer. Voilà. Je voudrais au moins une potion. Juste une. Juste une pour me réanimer. Ce serait gentil. Alors. Voilà, non, je vais éviter le combat. Déjà parce que j'ai plus de vie et simplement mon petit Sora est déjà bien monté. Alors. Allez, non. Mais c'est... Nien. Pépitière, non c'est pas... C'est Pépitière ou Pépite? Route 1. Pépipre. 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 Oh, excusez-moi monsieur. Ah. Mais yo, on a peur de nous. Hey, attendez. Bon sang, pourquoi ce type s'est-il enfui? Tiens, il a laissé un message, on dirait. Je sais ce que tu essaies de faire, abandonne, ils sont trop forts pour toi, je peux t'assurer que c'est pour ton bien. Ah. Si ces types croient que je vais suivre des indications griffonnées sur un vrai papier, néanmoins il n'a pas tout à fait tort sur un point, je dois être vigilant. Ces types de la Team Rocket ont l'air coriaces. Enfin, on n'a pas encore affronté la Team Rocket, mais bon. Ah. Qu'est-ce que? J'ai lu un message, j'ai pas compris. Il y a eu un message. Pourquoi il y a eu un message à un moment? Attends, est-ce que c'est un message qui serait sur le panneau? Bon bah on le saura jamais. Alors, toi, je veux m'acheter des potions. Et plein. Alors je vais m'acheter 2 Pokéballs. Pour l'instant 2 ça me suffira. 2 Pokémon ça me suffira. Et un max de potions. Voilà. Ça suffira. C'est très bien. Genre on peut déjà acheter des CD pardon. Puissance cachée et abri. Ah, puissance cachée, ça peut être utile. Mais bon, j'ai plus d'argent, donc voilà. Allez, on y va. Y a pas un centre Pokémon que je puisse me soigner? On va parler aux gens, n'empêche, ici, parce qu'ils ont peut-être des trucs à me dire. Tu veux savoir sur les types de Pokémon Shiny? Contrairement à Shiny, Pan, Aspico et attention à son Darvenin. D'accord, c'est très utile, hein, c'est très utile. C'est une Pokéball que je vois. Alors, t'as réussi à avoir des Pokémon, c'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut, hein. En effet, je confirme. Je confirme ce fait. Non, mais. Le pauvre, comment il est bloqué avec juste un brin d'herbe, quoi. Oh, une potion. On va rentrer chez les gens, hein, parce que on va explorer un petit peu, hein, parce que c'est bien, ouais. Salut, tu devrais rendre visite à Eugène, il est très accueillant avec les nouvelles têtes. Oh, je suis nouveau. Pourtant, on est voisins, hein, j'ai envie de dire. Tu sais, il n'y a pas grand chose à faire ici, c'est surtout une petite ville d'élevage. Ah. Bah, en même temps, il y a des meumeux, donc voilà. C'est des écrémeux d'abord, c'est pas des meumeux, mais bon. Hein, voilà. Et je fais n'importe quoi. Un centre Pokémon, ça me plaît. 27 minutes bientôt, bah... On va encore jouer un petit peu, et puis on va s'arrêter là. Hop. Sont en super forme. Bah, merci, c'est sympathique. Alors... Bonjour, je reviens de la boutique, ils ont des articles incroyables. Bah c'est vrai que DCT, c'est pas... je vais pas dire non, mais j'ai pas d'argent, donc voilà. Tiens, un nouveau visage, ces derniers temps, beaucoup de gens font escale à Pépitre. C'est toi Eugène? Ou c'est lui? Je me suis installé ici pour me mettre au vert après avoir quitté Egipolis. Ou Egipolis, mais je vais dire Egipolis parce que c'est plus cool. Alors... il y a peut-être des trucs à venir là-dedans. Pépipre, je vais y arriver. La ville, je veux dire Pépipre parce que j'y arrive mieux. La ville paisible ou le charme rustique. D'accord. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Il y a l'air d'avoir un truc par là-bas. Il y a des herbes. On peut avoir des combats Pokémon ici? Genre... j'ai pas l'impression. Moi c'est bien, ils font pas les bruits de Pokémon, ils font genre ils vous ignorent. Au revoir. Bon bah apparemment on peut pas avoir de combat ici. Bon, je me présente, je suis Eugène, le plus grand propriétaire de bétail de la région, Geno. Tu m'as l'air d'un bon gars, tiens, prends ce lait meumeux. Ah, c'est sympathique ça. Bonjour. Bonjour, je suis la femme d'Eugène, Marianne. Je vends le lait que nous produisons pour seulement 500 Pokédollars. Bah c'est gentil mais j'ai pas d'argent, je suis désolé mais t'as pas assez d'argent sur toi. Hop, c'est à moitié cher leur lait quand même. Alors... c'est parti. Qu'est-ce que ça me dire toi? Tu devrais faire un tour au centre Pokémon avant de t'aventurer, voilà. Bah j'y ai déjà été. Hop. Bon bah on va se capturer un petit Pokémon. Oh, un Grenivol. Bon ça m'intéresse pas. J'ai envie d'avoir un autre Pokémon pour être franc. Je pense qu'on va se capturer un autre Pokémon, puis après on va s'arrêter dans la ville. J'irai faire du level upping. Non mais je veux pas de Grenivol. Y'a pas autre chose qu'un Grenivol? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux autre chose. Un Piafabec. Bon, je vais réessayer. C'est vrai que je les aime pas ces Pokémon, mais je préfère avoir un autre. Bon bah ok. Un mystère. Allez, je fais encore dire. En fait, j'aimerais voir tous les types de Pokémon possibles et inimaginables ici. Et en même temps, je remets mon oreillette. Bienvenue sur la route 2, bah merci. Hop. Un Skitty, mais c'est parfait. C'est parfait. Me demandez pas pourquoi, c'est parfait. Donc, on va capturer ce Skitty, si je le mets pas KO. Allez, un deuxième griffe. Bah, un coup de griffe. Et bordel. C'est ce que j'espérais. Bon, bah, je veux ce Skitty, donc je vais l'avoir. Je veux ce Skitty. Je veux ce Skitty. Skitty. Évidemment. Bon, on va passer tout ça. C'est parti. Youhou, à la recherche d'un Skitty. Ah bah voilà. Hop, un Piafabec. Oh non. Oh, ça va être long. Je ne terminerai pas cette vidéo tant que je n'aurai pas de Skitty. Je vous préviens. Alors... c'est pas compliqué d'avoir un Skitty quand même. Un Nidoran. Bon, bah, au moins on découvre un autre Pokémon. Mais je veux pas de Nidoran, je veux un Skitty. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux un Skitty. Oui, le mec exigeant quoi, il veut un Skitty, c'est tout. Alors... un Piafabec, un Piafabec, je sais de lui parler. Fuite impossible, évidemment. J'ai tellement de chance que voilà. Plus Skitty, c'est le... voilà. J'ai pas de raison particulière de vouloir un Skitty, mais je le veux, c'est tout. Hop. On entend ma menace. Je pense qu'on entend ma menace et ça doit être épique. Un Chuchemur. Non, j'étais en train d'hésiter mais non. J'aime bien Chuchemur avec Ramboum et Grand Boum, mais bon, voilà, hein. Dis donc qu'ils ont l'air de bien aimer les Piafabec par ici, hein. Les Piafabec aiment bien cet endroit. Hop. Un Chuchemur. Ça va être long. La partie passionnante de la vidéo, à la recherche de Skitty. Au pire, je pense que je mettrai une notification du genre si vous voulez passer la recherche du Skitty, voilà. Allez, un Grenivol. C'est un gras, pas un gré déjà. Qu'un Pokémon qui s'appelle Grey, c'est... enfin, Grenipio, c'est... voilà. Un Piafabec. On va aimer cette musique, moi je vous le dis. Si on arrive au 30... au 34 minutes, n'importe quoi. Aux 40 minutes, je m'applaudis. Quoique, vous, avec l'intro, ce sera possible. Mais... pourquoi? On a rencontré un Skitty, je peux pas réussir à en retrouver un autre. C'est pas possible. Ah, on me klaxonne. C'est épique. Allez, je finirai cette vidéo, qu'il le faut ou non. Enfin non, je finirai pas cette vidéo tant que j'aurai pas de Skitty. Allez. Bon. Écoutez, on va faire simple. Je pense que je vais capturer un Pokémon et on fera avec. Le prochain Pokémon qui vient, je le capture. Bon, un Nidoran, ça fera l'affaire, puis c'est tout. Voilà, bon. Bon, j'ai fait ma capture, j'étais au centre Pokémon, j'ai fait tout bon comme il fallait. Donc, bah, dans le coup, on est avec notre Nidoran. Hop, je vais y arriver. Notre beau Nidoran, voyons voir ce qu'il a. Avant de finir quand même, ce sera beau. Ses attaques griffes et rugissement. Bon, bah, c'est très bien, je le ferai monter des niveaux. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Donc je vais faire l'encodage de cette vidéo et puis je vous l'envoie. Donc vous aurez une vidéo une fois toutes les 2 semaines de ce jeu avec un autre let's play. Voilà, vous avez compris. Sur ce, je vous laisse encore une fois, ça fait une fois que je le dis ça, pour une nouvelle vidéo. Et donc j'espère aussi que ce jeu vous plaît, il vous plaira. En tout cas, moi pour l'instant, bah, c'est un jeu bien mature et tu le sens, quoi. Tu le sens bien déjà rien qu'au langage des personnages et le jeu est bien travaillé. Bah pour l'instant, je le trouve bien travaillé. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao les gens et que la puissance des Pokémon soit avec vous. Allez, salut à tous et à la prochaine.